ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ce verset, il met en garde toute personne qui voudrait faire du mal à un croyant, que ce soit un kafir ou même un musulman. Car l'honneur du croyant et le croyant en général, son sang, son honneur, ses biens, ils sont sacrés. Et celui qui veut lui faire du mal, qui veut l'éprouver, alors voilà ce qu'Allah lui a promis. Voilà ce qu'Allah lui a promis, qu'ils auront le châtiment de la Jahannam et qu'ils auront un châtiment brûlant et terrible et douloureux, qui est le supplice du feu. Donc la personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, faire attention de ne jamais être injuste, de faire des injustices. Même à un kafir, on n'a pas le droit de lui faire de l'injustice. Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah accepte la dua, l'invocation d'un opprimé, même s'il est kafir. Même il est mécréant. Même un mécréant, si tu lui fais de l'injustice, Allah il accepte ses doigts. Donc, le musulman, il doit être le plus juste possible. Ne jamais faire d'injustice. Car l'injustice, c'est de l'obscurité le jour du jugement dernier. Ce sera une cause de perte et de regret, mais il sera trop tard. Naam.